Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Miracle Morning. C'est un livre de Hal Elrod, vraiment un super livre. J'aurais pu appeler cette vidéo Ce livre a changé ma vie, comme j'avais fait avec les quatre tibétains, parce que vraiment ce livre il est très puissant. J'ai beaucoup aimé. Donc, je peux déjà vous dire que j'avais des a priori sur ce livre parce que. Il y a eu vraiment une vague à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes dans ce mouvement un peu développement personnel. Il y a vraiment une vague où on entendait parler tout le temps du Miracle Morning. Et on en parlait tellement que je m'étais dit, j'ai pas envie de lire ça, c'est pas pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'était important de pouvoir se réveiller tôt le matin, de pouvoir faire des routines matinales. Donc j'ai intégré ça sans lire le livre. Mais là, depuis que j'ai lu le livre, je comprends beaucoup mieux l'engouement de tous les youtubeurs, toutes les personnes dans ce mouvement qui conseillent ce livre, qui parlent de ce livre. Et je vous incite vraiment et je le conseille à tous mes amis, à tout le monde de le lire. Parce qu'il a en fait... Il génère l'énergie pour passer à l'action. En tout cas, moi, je l'ai ressenti vraiment très fort. Il m'a donné énormément de motivation à appliquer le Miracle Morning. Alors, c'est quoi le Miracle Morning? C'est en fait le concept, c'est de te lever une heure plus tôt que ce que tu te lèves d'habitude. Et durant cette heure-là, tu vas pratiquer certaines pratiques. Pour ton bien-être, pour ton centrage, pour réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs. En fait, Hal Elrod, il a eu un très grave accident de voiture à un moment de sa vie où tout se passait bien. Et petit à petit, il a un peu bouleversé, changé ses croyances. Il a mis en place une routine matinale et il a vu sa vie changer. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre et qu'il l'a partagé au monde entier. Maintenant, il y a une grande communauté mondiale des gens qui pratiquent. Ça, c'est génial. Donc, ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un peu son histoire. Il parle beaucoup des croyances limitantes. Le fait qu'on croit être bloqué dans un schéma. On peut croire qu'on n'est pas du matin. Ça, tu vas l'entendre souvent chez les gens. Moi, je suis pas du matin. En fait, ça se travaille, c'est juste une croyance. Tu peux reprogrammer ton cerveau. Donc, c'est vraiment l'idéal pour toutes les personnes comme moi qui sont en train de mettre en place leur chemin de vie pour réaliser leurs rêves, pour vivre la vie qui leur correspond, une vie en harmonie avec qui tu es, avec ton âme, avec tes valeurs. Ça, c'est très important. Je pense que tous les gens avec cet état d'esprit vont adorer le Miracle Morning. Moi, là, ça fait plus ou moins 10 jours que je le mets en place. Mon objectif ici, c'est de me lever à 5h30 chaque matin. Là, j'y suis arrivé, les 10 jours. Et c'est vrai, je comprends mieux le mot miracle parce que quand tu commences à le mettre en place, ça devient un miracle, ça devient merveilleux. J'aime le matin. Avant, je déteste le matin. Maintenant, j'aime le matin. Bon, ça fait déjà 2 ans que j'avais progressivement appris l'habitude de me lever tôt. Mais là, ça prend vraiment une autre tournure. Je sens que maintenant, depuis que j'ai lu ce livre, mon chemin prend encore un autre virage. Et ça, c'est génial. Donc, moi, je vous ai déjà fait 10 vidéos là-dessus. Je vous ai fait une vidéo sur les affirmations positives. Donc, comment créer ces affirmations positives. Je t'invite à regarder cette vidéo. Ça fait partie des routines du matin, d'avoir des affirmations positives. Je vous ai fait une vidéo sur les pratiques. Ça s'appelle Lifesavers. Je vous ai fait une vidéo aussi sur comment apprendre à se lever tôt. Donc je pense avec toutes ces vidéos, vous avez déjà un package complet pour comprendre le phénomène. Je ne vais pas faire une trop longue vidéo là-dessus. Je peux juste vraiment vous dire que ce livre est puissant. Je le classe dans mon top des livres de développement personnel. Vraiment, un de mes livres préférés, c'est Le hasard n'existe pas.
Il y a le pouvoir du moment présent, il y a les quatre accords Toltec. Je vais rajouter celui-ci dans ma liste. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si vous voulez checker ça. Et vraiment, j'invite tous mes abonnés, tous ceux qui verront cette vidéo à lire ce livre. Si vous êtes déjà dans le mouvement, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez depuis que vous avez intégré ça. Voilà, je vous envoie plein d'amour depuis le Maroc. Je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à mon défi d'intégration du Miracle Morning sur 30 jours. Je ferai une vidéo à la fin des 30 jours pour faire une sorte de bilan. Prenez soin de vous. Peace. Why you be that way? Damn, bro, so why you be that way? Why you be that way? It's me.